Ah pardon, il y a un monsieur de l'Union républicaine qui vient nous causer s'il y en a qui ont envie de lui dire quelque chose. Alors, il a beaucoup causé et bah, c'est bien qu'il entende personne que toi. Des relations de proximité avec les services et leurs usagers creusent toujours plus les écarts entre la ruralité et les villes, où les guichets sont pour l'instant conservés. Accepter de voir fermer nos guichets de proximité, c'est accepter à terme le remplacement de l'humain pour des automates pour l'ensemble du réseau. La liberté de déplacement est une de nos libertés fondamentalement dans le monde qui doit revoir les stratégies de déplacement pour faire face aux défis climatiques. L'heure est au renforcement des services publics de placement collectif tels que la SNCF, le choix de fermer les guichets de proximité dans les gares et non sans dans l'idée de développer nos moyens de déplacement collectif. Les territoires ruraux doivent voir se développer l'offre de transport collectif. Quant à l'inverse, ces annonces de fermeture des guichets de proximité indiquent au contraire que la rentabilité reste le seul facteur pris en compte quand l'urgence climatique et sociale devrait reléguer le profit en second plan. C'est pourquoi, ce mercredi 14 août 2019, nous tiendrons notre assemblée dans la gare d'Auxerre-Saint-Gervais à partir de 18h. L'Assemblée de Clamecy et ses alentours se joint à nous dans cette protestation par des actions d'information sur la gare de Clamecy. Ce 14 août, de 10h à 11h et de 17h à 18h. Nous invitons tous les groupes de gilets jaunes de la région à rejoindre notre protestation par des occupations
symbolique de leur gare de proximité ce mercredi 14 août. Mercredi 14 août 2019 pour l'Assemblée populaire d'Auxerre. Rond-point sur plusieurs semaines et que les gens viennent, qu'on revient alors ou une fois par mois aux alentours du 17 ou une fois tous les 15 jours comme le proposait Stéphane et qu'on le poste et venez le samedi X à 15h, t'es sûr de trouver du genre, des gens et tout ça. L'heure, parce que moi c'est pareil, je suis pas sûre. Quand je viens, que je fais l'aller-retour, virtuel. Notre site web depuis mai, on en est à 2015 pages vues. Et les pages qui sont le plus vues sont notre page sur le RIP et notre charte. D'ailleurs, tu as vu, Aymeric, que j'ai changé et qu'on la voit mieux, la charte. Oui, oui. Ouais. Parce que quand vous, si vous avez des suggestions sur le site ou sur Facebook, vous me dites, je change. Aymeric, il m'avait demandé à ce que qu'on trouve plus facilement la charte parce qu'il trouvait que c'était... Ouais, il trouvait que c'était des textes importants. Et même sur le site, maintenant, il y a un bandeau avec notre charte. Si tu la rates, tu sais que tu es prêt. Ouais. Une petite vidéo au départ quand tu arrives dessus. C'est exact, ouais. Moi, je ne suis pas encore allée. Et alors, l'essentiel du trafic sur le site web, il vient de Facebook et de Yon L'Autre. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un site qui liste tout ce qui est lutte sociale sur le département. Lutte sociale, écologique, enfin un peu tout ce qui est nous. Donc ils parlent de nous depuis le début et ben, manifestement ils nous renvoient du monde quand même. Sur le YouTube, il y a 105 vidéos en ligne. Le plus vu, ben, c'est le teaser de fin. Tout de suite derrière, c'est la chanson en brocante. L'hommage à Yves quand on a fait l'appât où on parlait de lui. Et l'appel qu'on avait enregistré. Qui est notre quatrième vidéo la plus vue. Et sur Facebook, on a 448 abonnés. Ouais. Pareil, on parle d'une page qui n'existe que depuis le mois de mai, qui n'était pas là au début du mouvement. Donc, 448 personnes sur la page Facebook. Ouais. Pour un truc qui n'était pas là au début du mouvement et qui ne fait que racoler après, quoi. On a une moyenne de 899 vues mensuelles. On touche 36 500 personnes parce que, comme je vous disais, j'ai remis en ligne toutes nos photos d'archives et nos photos d'assemblée ont bien plu aux petits Hongkongais qui les ont repostées dans des groupes Hongkongais avec des, je ne sais pas ce qu'ils y disent d'ailleurs parce que je ne parle pas la langue. Mais voilà, ils sont partagés notre assemblée. Manifestement, c'était très enthousiaste de voir qu'il y avait une assemblée. On était au plus fort quand même 11 derrière le stand. On a fait peur à personne. Ouais. Je dirais même que les gens étaient plutôt intéressés. Ils disaient, oh, bah, ça existe encore, les jeunes. Bon, bah, en candidat numéro qui arrive, tu proposes ça, si je suis élu, voilà ce que je fais. Et là, ça fait. Mais moi, j'ai déjà vu dans les programmes. Hein.
droit de vote des étrangers, sûr. Et je ne suis pas blonde en plus. Après, je dis souvent les programmes à Poutou. La France Insoumise, c'est plus ces programmes-là. La France Insoumise, c'est pas elle. Non, moi, j'ai eu raison jusqu'à la fin du mois. On l'a trouvé où? Ah, bah.